Le point de départ, c'est, vous savez peut-être, ma frangine a monté un petit restaurant. Ils font de la vente sur place avec Take Post. Ils ont bien entendu un Doliprane en arrière-boutique pour faire toute la partie facturation, etc. C'est une évidence. Et ils se posent la question de faire de la vente à emporter, de faire de la pré-vente, que les clients payent sur Internet et viennent juste récupérer leur sachet. En bref, tout le monde connaît le concept. Ça s'appelle du click and collect. On nous l'a balancé à tous les étages pendant le Covid. J'arrive un peu après la bataille, mais ça ne me gêne pas trop. Et donc, je leur ai implémenté une solution de click and collect 100% Doliprane. Et par ce biais, se sont posés un certain nombre de problèmes. Alors, pour faire simple, premier point, est-ce qu'on fait de la e-boutique? Donc, grosso modo, est-ce qu'on fait du PrestaShop ou est-ce qu'on fait du WordPress quelque chose? Accroché à Doliprane, bien entendu. Donc, parmi vous, il y en a plein qui en font. Vous connaissez les problématiques de synchronisation, de mise à jour, etc. Dès que j'ai mis l'outil WordPress et synchronisation entre les mains de ma frangine, j'ai tout de suite vu ses yeux s'agrandir et se dire, je vais passer ma vie derrière mon ordinateur à refaire mes fiches produits. Ça me semble compliqué. En plus, sur le WordPress, il faut que j'aille trouver un thème qui va bien pour faire la boutique, etc. Ça va me coûter des sous ou alors je vais y passer un temps fou. C'est pas mon job. Moi, ce que je veux, c'est vendre ce que je fais au quotidien. Donc, ça me plaît pas, c'est pas terrible cette affaire. Comme depuis longtemps ils utilisent TakePost, que dans TakePost, depuis quelques versions, il y a la possibilité que les clients puissent flasher un QR code pour avoir la carte sur la table et éventuellement voir les produits disponibles directement sur leur smartphone. Elle m'a dit, mais moi là, cette interface-là sur smartphone, ça me va, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Un joli truc là qui fait qui clignote partout, tout ça, c'est pas mon besoin. Ce que je veux, c'est que mes clients puissent rapidement commander les produits qu'ils connaissent, puisque ce sont mes clients qui viennent déjà manger chez nous régulièrement. Ils voudraient juste pouvoir précommander, venir récupérer leur sachet à midi, midi 15, midi 20, vite fait, sans perdre de temps, c'est déjà payé, c'est juste je prends, je remporte et c'est plié. Donc voilà. Le WordPress, on a essayé de ne pas y aller pour ça. PrestaShop, c'est à peu près la même question de base de données, de duplication, de duplicata de fiches produits, etc. Et le menu smartphone de TakePost, ma foi, c'était pas mal. Alors, se pose la question, quand on est dans cette situation-là, de se dire, super, moi je suis développeur, je kiffe développer des trucs, inventer des solutions, etc. Mais peut-être qu'il existe déjà des choses toutes faites qui marchent, qui sont éprouvées, et sur lesquelles on peut en tout cas s'appuyer. Alors, dans la vente en ligne, se pose un certain nombre de problématiques, notamment pour des gens qui produisent de la nourriture. La première, c'est le stock. C'est bien beau si je vends des burgers, des salades, des paninis, des sandwichs, etc. Mais si j'ai des clients qui m'en commandent plus que je ne peux en produire, vous comprenez très vite le problème. Est-ce que vous connaissez tous la gestion de stock de Doliprane? Quand vous avez les yeux qui s'agrandissent pour passer de Doliprane à WordPress pour faire la vente en ligne, vous imaginez les yeux qui s'agrandissent quand vous faites la gestion de stock, produit par produit, les différentes composantes, etc. C'est pareil, mission impossible. Donc il faut trouver une solution simple, basique, qui marche pour faire de la gestion de stock. C'est ce que j'ai appelé du pseudo-stock. On verra après pour le détail. Encore une fois, quand vous faites de la vente à emporter de produits à manger, vous pouvez proposer des sauces différentes pour vos burgers, vos salades, etc. Donc des variantes de produits. Encore une fois, est-ce que vous connaissez les variantes de produits de Doliprane? Et est-ce que vous imaginez les conséquences que ça a en termes de gestion au quotidien pour dire je peux faire 40 burgers, eh oui, mais avec la sauce machin, avec la sauce ketchup, avec la sauce truc. Voilà. Les variantes de produits telles que Doliprane les propose en standard, encore une fois, ça coince un peu. En tout cas, la connaissance que j'en ai. Donc, on parle de pseudo-variantes de produits. Et ensuite, on parle de gestion de production. Puisqu'en fait, c'est un peu ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir dire. J'ai des matières premières, je ne sais pas trop ce que les clients veulent, s'ils veulent des burgers avec ceci, cela, telles options, etc. Donc il faut que je produise. Pour pouvoir produire, est-ce que je vais lancer des ordres de fabrication? Est-ce que je vais activer toute la partie GPAO de Doliprane? Encore une fois, ceux d'entre vous qui ont mis le doigt dessus savent que c'est tout à fait intéressant pour des grosses structures, mais pour que la TPE de deux personnes puisse être efficace et produire des produits tels que ceux qu'ils proposent. C'est un peu le marteau, l'enclume, et puis en fait, finalement, j'ai juste besoin d'un trombone, quoi. Pas du tout adapté. Donc, on va parler de pseudo-GPAO.
liées à la gestion de production. On va avoir des plannings de quand est-ce que le magasin est ouvert, quand est-ce que je peux fabriquer, quand est-ce que les clients peuvent commander, quand est-ce qu'ils peuvent venir récupérer leurs produits, de délai de fabrication, je passe commande maintenant, quand est-ce que je peux venir chercher, le plan de charge. Enfin, on est vraiment dans de la GPAO finalement. Donc voilà, comment est-ce qu'on aborde ce genre de problématique? Comment est-ce que, d'un point de vue basique, en cuisine, on sait ce qu'il faut produire? Solution super tech-tech, je mets des écrans partout. Vous connaissez ça dans des chaînes de production de burgers bien connues. Pour le tout petit resto de ma frangine, c'est absolument impossible. On ne peut pas révolutionner tout ça, leur mettre des écrans partout. Ce n'est pas du tout quelque chose d'envisageable. Et donc, on a décidé de recycler les imprimantes à tickets. Puisque depuis le 1er juillet de cet été, on a interdiction, sauf demande explicite du client, blablabla, d'imprimer des tickets. Donc ces équipements-là sont disponibles. Donc on peut tout à fait imprimer un ticket pour qu'en cuisine, on puisse accrocher les tickets de ce qu'il y a à produire. Bonne idée à prendre au passage. Dernier point, le client commande, tout se fait en dématérialisé. Il faut bien qu'il reçoive sa commande par mail, avec le détail de ce qu'il a commandé, etc. Donc on va voir un peu tout ça. L'idée, c'est donc solution opérationnelle et le plus low-tech possible pour que ça soit humainement pas une trop grande marche à surmonter pour que l'outil puisse être mis en route. Alors, gestion de stock, comment ça se passe? Est-ce qu'on fait un inventaire? Est-ce qu'on fait des entrées? Est-ce qu'on fait des sorties? Est-ce qu'on fait des mouvements de stock? Est-ce qu'on fait... Là, on peut se poser un certain nombre de questions. Le choix qu'on a fait, c'est de dire on va faire un entrepôt, puisque c'est comme ça que Dolibar l'appelle, je vais faire un entrepôt dans lequel tout sera faux, tout le temps. Mais par contre, du fait que c'est un entrepôt Dolibar, je vais pouvoir m'appuyer sur tout le reste des outils Dolibar pour garder finalement un fonctionnement cohérent. Donc j'ai un entrepôt dans lequel je dis le matin, par exemple, je peux avoir 40 burgers. Pourquoi 40? On verra un petit peu après. 40. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir du moment où c'est dans l'entrepôt, je peux tout à fait implémenter que dans la partie interface web de commande en ligne, il n'y ait que ce qui est dans cet entrepôt-là qui soit vendable. Ça ne touche en rien les autres gestions de stock qui peuvent éventuellement être tout à fait réelles, actives, efficaces, etc. dans l'entreprise. Là, on est vraiment sur un entrepôt de stock au doigt mouillé. Je peux faire grosso modo 40 burgers aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire, oui, mais bon, dans la vie réelle, dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? J'ai à peu près 50 pains burgers dans mon congélateur le matin, donc je sais que je peux en faire 50 aujourd'hui. Dans mon faux stock, je vais en mettre 40. Pourquoi 40? Parce que j'en ai 10 de réserve. Si jamais il y a une connerie qui se produit, si j'en fais tomber un, si jamais il y a un problème quelconque, j'ai toujours mon stock tampon d'une dizaine d'unités dans le coin que je peux décongeler pour pallier à un truc inconnu. Un client qui débarque, il en a commandé 4 sur Internet et finalement il en veut un cinquième. C'est pareil, si j'étais trop rigoureux sur la gestion de stock industriel, j'en ai 40, j'en ai vendu 40, le client arrive, il en veut un de plus, ben non monsieur, je peux pas. Humainement parlant, c'est pas jouable. Commercialement parlant, c'est pas jouable. D'où l'idée de pouvoir jouer comme ça avec un entrepôt dans lequel j'ai entre guillemets du n'importe quoi. Sauf que grâce à ce n'importe quoi, je peux mettre en place des procédures acceptables d'un point de vue humain. Voilà. Ensuite, les variantes. Alors le système de variantes de Dolibar natif est super, mais beaucoup trop compliqué dans ce cas de figure. L'approche qu'on a eue, c'est de dire, je ne sais pas à l'avance quelles sont les variantes dont ils vont avoir besoin. Alors, dans le cas particulier du resto de ma sœur, je peux tout à fait savoir à l'avance ce qu'elle veut, et moi, en tant que développeur, j'aime bien faire des trucs un peu génériques. Donc, on a fait un dictionnaire, tout simplement, un dictionnaire Dolibar standard. Ils peuvent, dans le dictionnaire, créer tout ce qu'ils veulent comme type de variante. Donc, variante, on va dire, sauce. Et à côté, ils écrivent mayonnaise, ketchup, et ainsi de suite. Et à côté de ça, sur ma fiche produit, j'ai un champ étendu, un extra field, qui va être rempli grâce au contenu du dictionnaire. Et donc, sur ces articles, elle va pouvoir choisir, dans des boîtes déroulantes, les options disponibles. Hop, problème résolu, uniquement parce qu'on est sur de la gestion de variantes qui n'a pas d'impact sur le prix. Et ça, c'est important. Si elle voulait faire des options de ce type-là qui a un impact sur les prix,
Ce n'est pas du tout ce genre d'outil qu'il aurait fallu développer. On est bon? Maintenant, gestion de production. Alors, se pose une question, encore une fois, délicate, de se dire, j'ai des choses à produire, mais est-ce que je produis aussi vite des burgers que des paninis, ou que des crêpes, ou que des salades? Ben, forcément, non. Donc, on a pris l'approche suivante, de se dire, tous mes produits sont dans des catégories. Donc, encore une fois, on s'appuie sur les tags et catégories de Dolibar, c'est génial. Un produit peut être dans plusieurs catégories, impeccable. Donc elle va avoir tous ses articles qui sont bien rangés pour son take post dans ces catégories. Et la majorité de ces articles-là ont à peu près les mêmes catégories pour la partie vente en ligne. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est justement le fait de pouvoir choisir des catégories à part qui fait que derrière, on va pouvoir dire que la gestion de production est calibrée sur les catégories en question. Donc par exemple, j'ai une catégorie burger, une catégorie crêpe, et dans mon panneau de configuration de Click and Collect côté administrateur d'Olibar, je vais dire je peux fabriquer 40 burgers par heure. Je peux fabriquer 60 crêpes par heure. D'accord ? Donc la catégorie burger, quantité 40, unité 1 heure. C'est bon, on a tout ce qu'il faut pour faire de la mini-gestion de fabrication. Ou après, on va pouvoir décider est-ce qu'on veut découper mon unité de fabrication en 10 minutes, en un quart d'heure ou en 20 minutes, ce que vous voulez par rapport à une heure, pour pouvoir séquencer les livraisons et les délais de disponibilité pour les clients. Donc là, on tord un peu le cou aux outils classiques, tout en s'appuyant sur des outils, et finalement, ça marche plutôt bien. Le délai minimum entre la commande et la disponibilité d'un produit fabriqué, donc ça pareil, c'est du paramétrage, c'est dire là je reçois un coup de téléphone maintenant, dans combien de temps est-ce que je peux faire ma première pizza si je suis pizzaiolo, le temps de fabriquer, le temps de cuire, etc. Il y en a pour 12 minutes. Ok. Donc dans le paramétrage, on va dire 12 minutes. Ce qui fait que quand je vais recevoir une commande, je ne vais pas proposer de venir au camion pizza récupérer ma pizza avant 12 minutes. Ça ne sert à rien que le client vienne et attendre. Voilà. Donc, gestion du cadencement et des délais de fabrication. Et ensuite, très important pour eux, d'avoir un outil de gestion des imprévus. Alors, ça leur est arrivé de se planter un couteau dans la main. Je me plante un couteau dans la main quand je suis en train de faire le service, on arrête tout. C'est-à-dire, il y a du sang partout, c'est un accident du travail, c'est la fin du monde. Ça serait à peu près la même chose que pour un pizzaiolo qui, tout à coup, son four tombe en panne. Et il ne peut plus rien faire. Donc il faut absolument qu'ils aient un moyen de débrayer l'outil, un bouton off, pour pas qu'il y ait des ventes en ligne qui se produisent pendant qu'ils sont en train de fermer boutique parce qu'ils ont un problème urgent. Donc ça, c'est pareil, c'est une grosse angoisse de la vente en ligne, de dire c'est bien beau de faire de la vente en ligne, mais on ne maîtrise pas ce qu'avant on maîtrisait quand les clients téléphonaient ou quand ils venaient devant le camion pour prendre des commandes. Voilà. Et ensuite, la gestion des plannings. Donc, il faut pouvoir venir chercher les colis quand le magasin est ouvert, mais il est probable que vous ouvriez la boutique avant la première heure de disponibilité, le temps de, je sais pas moi, démarrer les machines, faire l'inventaire de démarrage de journée, ce genre de choses. Donc, par exemple, je commence à travailler à 11h et j'accepte mon premier client à midi. Donc ça, c'est pareil. Il faut absolument avoir un planning d'ouverture, un planning de production, un planning de retrait. Avec la petite subtilité de dire, je suis un commerce local et je me permets de refuser qu'il y ait des gens qui achètent sur mon site internet à 2h du matin. Alors, ça peut surprendre, puisqu'on a tous l'habitude d'être sur des sites internet H24, mais là, c'est un souhait de dire, mais je veux pouvoir dire que entre telle et telle heure de la journée, vous ne pouvez pas passer de commande en ligne. Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est pendant les services. C'est-à-dire, comme ils sont aussi restaurants, ils ne veulent pas que quand ils sont en salle, en service, il y ait des gens qui achètent sur Internet. La vraie raison, elle est là. Néanmoins, on pourrait tout à fait dire, entre 2 et 4 heures du matin, le site est fermé. Donc voilà, gestion des plannings. Un exemple, donc c'est du glisser-déposer façon agenda que tout le monde connaît, hein, c'est super classique. Je définis mes créneaux. Trois types de créneaux, donc ce que je disais juste avant, hein. Il faut vraiment que ça soit simple et efficace. On est parti du principe de faire un choix, de définir le planning de la semaine, et que ce planning-là s'applique de manière permanente
jusqu'au jour où on décide de fermer le magasin, on est en vacances, ou de changer les horaires. Voilà, il n'y a pas de sauvegarde de l'historique des heures d'ouverture, il n'y a pas de gestion de dire attention, le 14 mars, on sera fermé, etc. Là, on est vraiment sur du très très basique. Maintenant, comment ça se passe pour un client qui a faim? Quelle est sa démarche? Comment ça fonctionne? Première étape, se connecter sur le site. Le choix délibéré a été fait de s'appuyer sur l'existant de TechPost et de son outil vu smartphone du contenu de la carte. Donc ça ne marche que sur smartphone. Si vous y allez avec un ordinateur, un grand écran, vous allez voir que l'ergonomie n'est pas du tout faite pour. Donc ça fait partie des points que j'aimerais aborder, de savoir au niveau de TechPost, de Dolibar, etc., comment est-ce qu'on se positionne sur ce genre d'interface? Bon, ça, vous savez que c'est déjà un des points sur lesquels je suis assez sensible. Deuxième point, choisir les produits, choisir les suppléments ou les options, et choisir l'heure à laquelle je veux venir récupérer mon panier. Il n'y a pas besoin qu'on demande plus de choses que ça à votre client. Étape suivante, lui demander ses coordonnées le moins possible, un numéro de téléphone, une adresse mail éventuellement. L'idée, c'est de pouvoir le recontacter si jamais il y a un problème, de pouvoir éventuellement le notifier pour dire quand sa commande est prête, et de lui confirmer l'heure à laquelle son panier sera disponible. Procéder au paiement, quand même super important. On aura aussi beaucoup de choses à dire par rapport au prestataire de paiement. Vous savez que je travaille dessus. Et puis, dernier point, il passe au magasin récupérer le panier. Et donc là, ça paraît bête, mais si vous avez 15 sachets à remettre à 15 clients, il faut être soit super organisé, soit super rigoureux, soit tout en même temps. La réponse, c'est bien entendu tout en même temps. Il faut savoir que le sachet 3, c'est pour Monsieur Z, le sachet 4, c'est pour Madame Y, etc. Donc là, il faut mettre en place un certain nombre de solutions, du genre, j'arrive avec mon téléphone, j'ai mon numéro de commande, j'avais la commande 38, ok, le panier 38, c'est celui-ci, voilà, merci, au revoir, vérifiez que tout est bon dedans. Mais en tout cas, il faut que ça soit carré et qu'on n'ait pas l'ombre d'un doute, puisqu'à ce moment-là de la journée, c'est le rush, les clients arrivent, il faut qu'ils repartent vite et satisfaits. Maintenant, entre guillemets, côté back, comment ça se passe? Gestion du catalogue avec deux approches. Une approche de dire je veux que chaque fois qu'un client met quelque chose dans son panier, le stock soit décrémenté. Parce que je ne veux pas que si jamais il y a deux personnes qui commandent en même temps pile la quantité exacte de burgers que je peux produire aujourd'hui, ils cliquent en même temps pour payer et je suis dans les choux. Bon, j'ai toujours ma réserve supplémentaire dont on a parlé tout à l'heure, néanmoins, bon. Moi, mon approche, c'était plus de dire que je décrémente le stock que quand il paye, pour éviter justement le gars qui vient, qui colle le site, qui remplit le panier et qui finalement, il n'achète pas, et il vous bloque des ventes. Mais bon, c'est un choix important, donc c'est une option dans le panneau de config de dire où est-ce que vous voulez décrémenter le stock. Avec une petite subtilité, c'est que quel que soit le burger commandé, il faut décrémenter le stock global des burgers. Quelle que soit la crêpe commandée, il faut décrémenter globalement tous les stocks de toutes les crêpes. Donc si vous avez 8 produits crêpes, avec crêpe au sucre, crêpe machin, crêpe truc, quand il y en a une qui sort du stock, il faut décrémenter sur les 7 autres produits qui sont concernés par la même catégorie. Ensuite, gestion des limites et des contraintes. Encore une fois, la crainte c'est d'avoir un client qui vous commande 40 burgers, et vous savez que vous ne pouvez pas les produire dans un délai suffisamment court pour qu'ils soient tous chauds quand il va venir les chercher. Donc de pouvoir définir des limites en disant « je ne veux pas que sur la catégorie X ou catégorie Y, dans un panier d'achat, il y ait plus de temps d'unité. » Voilà. Tout ça, c'est du quotidien, c'est de la réalité terrain. C'est le genre de choses où, avant de démarrer ce genre de projet, on ne peut pas se douter que ce genre de contraintes puisse arriver. Et en dessous, de pouvoir ajouter donc, ce que je disais tout à l'heure sur les marges perso. Les plannings de production et tout ça, on en a déjà un petit peu parlé, je ne vais pas trop enfoncer, mais l'idée c'était vraiment de ne pas se faire dépasser par la technique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'outil me dise là tout de suite, il faut que tu en fasses 80, il faut quand même que j'ai un peu moyen d'interagir avec, donc on va voir les mécanismes qui sont possibles. La commande est prête. La facture est éditée, les sous sont encaissés. Qu'est-ce qui se passe?
je notifie le client par SMS, par mail, que, hein, est-ce que je prépare, est-ce que je range, etc. Encore une fois, il y a du travail humain. Ce n'est pas vraiment l'ordinateur ou la machine qui va décider de tout ça. Concrètement, comment ça se présente ? Donc, votre sac est prêt. Le ticket de préparation a été imprimé. Donc ça, c'est ce qui était en cuisine avec ce qu'il fallait faire. Et tout à fait à droite, vous avez le résultat. C'est le ticket électronique que votre client a reçu, soit par mail, soit qu'il récupère quand il flash le QR code. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un système, on va dire, fluide. Et en cuisine, ça se présente comment ? Mais ça se présente comme dans 90% des cuisines que je connais. Des petits papiers qui sont suspendus. Alors la photo de d'arrière-plan n'est pas très visible sur la vidéo proche, mais des petits papiers qui sont suspendus. Alors j'oublie tout le temps le nom de ces machins un petit peu accordéon là. Où vous avez glissé en fait vos différents papiers de production, où vous avez l'heure à laquelle le panier doit être prêt, le contenu et le cuisinier à faire son boulot. Une fois qu'il a fini, il prend le papier, il le met avec le sachet pour que ça parte après sur les étapes suivantes. Super simple. C'est des choses auxquelles ils sont habitués. L'idée, c'était de ne pas dévier des usages auxquels eux ont déjà pris du temps pour l'intégrer et pour travailler avec, quoi. Alors, au niveau de l'implémentation, comment ça s'est passé ? Donc, je vous ai parlé de TypePost depuis le début. C'est vraiment la clé de voûte de tout ce développement. Premier problème et premier point sur lequel je voulais un peu mettre les pieds, comme j'ai dit tout à l'heure, les pieds dans le plat, c'est que TypePost, quand vous complétez un ticket, il vous fait une facture de l'IBAR, une vraie facture, avec un certain nombre d'astuces, du genre la référence, du genre des champs un peu cachés, etc., des genres des codes où c'est vraiment spécifique TypePost et c'est codé en dur. Et donc, j'aimerais bien savoir si c'est possible de bouger un petit peu les lignes pour faire qu'il n'y ait pas que TypePost qui puisse avoir accès à ce genre de choses. C'est-à-dire que là, j'ai dû me faire passer pour TypePost pour un certain nombre de choses. C'est un peu dommage, premier point. Deuxième point, faire une facture tant que ce n'est pas payé, c'est pas trop comme ça que je le concevais. Donc, dans le redéveloppement de cette partie-là, je garde la facture temporaire faite par le moteur de TypePost parce que je n'ai pas envie de perdre de temps à réinventer des choses. Néanmoins, juste avant de partir sur le site de paiement, je transforme cette facture en commande, alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Donc là, quelque part, je reviens un peu en arrière, je fais une commande à partir de la facture temporaire, c'est une commande, ça part en paiement. Si le paiement échoue, si le client disparaît ou n'importe quoi, ça reste une commande qui aura son cycle de vie de commande classique. Et au retour du paiement, si le paiement est positif, ça devient une vraie facture. Donc, ce coup de « je fais un pas en arrière pour refaire un pas en avant », ça me gêne un peu, mais c'est lié au choix technique qui a été fait à l'époque de l'implémentation de TypePost de faire une facture dès le début, qui peut se comprendre, parce que le client est face à moi, je fais un ticket de caisse, ça peut se comprendre. Mais au moins, dans le workflow habituel de Doolibar, ça aurait été mieux que ce soit une commande, et qu'au retour du paiement de TypePost, sur le TypePost, je fais un paiement, un encaissement, j'encaisse, et au moment où c'est payé, la commande devient une facture. Ça serait plus propre par rapport aux usages, de ce que j'ai compris, du workflow normal de Doolibar. Ensuite, on pourrait voir, mais je ne vais pas trop parler non plus, l'organisation des catégories, des sous-catégories, et comment est-ce qu'on peut accrocher tout ça. J'en ai déjà parlé, on peut avoir donc un produit dans plusieurs catégories, c'est parfait. Les options à partir d'un dictionnaire et des extra fields, on peut voir concrètement comment c'est implémenté, mais encore une fois, c'est vraiment une des souplesses offertes par le RP, donc c'est impeccable. Il nous reste après, par contre, l'entrepôt, le pseudo-stock, les mouvements entre l'entrepôt et ce stock, et un dernier point sur lequel j'aimerais bien aussi mettre un pied dessus, c'est que si vous avez déjà joué avec les imprimantes et TypePost, c'est du real-time. C'est-à-dire si l'imprimante imprime au moment où vous appuyez sur le bouton. Si l'imprimante est indisponible, vous claquez un timeout, un message d'erreur. C'est pas jouable quand c'est votre client qui est sur Internet et qui vient de payer et de lui dire l'imprimante n'est pas joignable, carton rouge, c'est mort. C'est pas jouable s'il n'y a plus de papier dans l'imprimante, c'est pas jouable si la connexion Internet n'est pas dispo, enfin il y a plein de cas de figure où c'est pas jouable. D'où l'idée de dire j'ai besoin d'une file d'impression. Et il me semble que dans Doolibar, cet aspect queue, file d'impression, file de traitement, bufferisation d'un certain nombre de choses, n'existe pas vraiment. On invente tous un peu à droite à gauche des solutions quand on en a besoin. Ça me semblerait important qu'on ait un truc propre
dans Dolibar qui permettent de faire des fils d'impression, des fils de traitement, des choses qui se mettent en buffer, en cache ou je ne sais trop quoi, pour pouvoir les réappeler, les réutiliser, faire des traitements ultérieurs. Donc là, j'ai dû inventer une solution pour que quand le client paye, ça met le ticket d'impression en attente d'impression, et que par exemple le lendemain matin, quand ils allument l'ordinateur de la caisse avec l'imprimante, tout à coup, il y a tous les tickets de commandes qui sortent. Parce que si vous ouvrez à 2h du matin et que vous avez des clients qui commandent entre 2h et 8h et que vous ouvrez vous votre magasin qu'à 8h05, ben, les tickets de commandes, ils vont sortir. Alors que si c'était du temps réel, il faudrait laisser l'ordinateur allumé toute la nuit, il faudrait s'assurer qu'il y ait du papier dans l'imprimante, il faudrait. Voilà. Donc cet aspect-là me semble aussi important à aborder. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur la suite. En bref, comment se présente une fiche article après l'installation de Click and Collect? On a juste un champ de plus, l'option Click and Collect, qui est rempli à partir d'une liste déroulante qui vient d'un dictionnaire dont vous mettez vous-même vos propres infos. Donc vous avez un camion pizza, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tout à l'heure, je pensais à un vendeur de fruits et légumes, vous pouvez mettre tout à fait ce qu'il veut. Il aurait les mêmes problématiques de gestion de stock, puisque lui, il va recevoir des cajots entiers de pommes, mais il ne sait pas combien de pommes sont vraiment vendables, s'il n'y a pas des pommes qui sont gâchées, des qui sont un peu, qui ne seront jamais vendues finalement, et ainsi de suite. Donc la vraie gestion de stock ne sera pas applicable. Il va avoir besoin d'une gestion de stock telle que celle qu'on a implémentée. Et finalement, on garde tout ce qui existe déjà. On se raccroche ensuite sur deux catégories, ou plusieurs, mais là j'en ai deux, qui sont une catégorie qui me permet d'avoir la partie take post normale et une autre catégorie pour la partie vente à distance. Si je fais un petit résumé, donc pseudo stock avec un entrepôt dédié et une gestion complètement foireuse par rapport à ce que c'est d'un point de vue académique, mais qui d'un point de vue pragmatique est à mon sens tout à fait pertinent. Les variantes de produits, encore une fois, qui ne sont pas du tout celles que Dolibar propose. Et donc, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment est-ce que vous verriez ça autrement? Question qui se pose. Gestion de production. Comment est-ce qu'on peut éventuellement proposer Dolibar pour faire de la gestion de prod à des toutes petites structures ou des structures qui ont besoin de la gestion de prod extrêmement légère? Donc, garder un certain nombre de mécanismes tout en pouvant débrayer d'autres, ou comment est-ce qu'on peut s'enclencher là-dedans? Question qui se pose. Vente et encaissement. Alors, encore une fois, là, on peut se raccrocher sur tout ce qui est déjà fait dans Dolibar et qui est merveilleux, sur toute l'infra de paiement, d'encaissement, retour de paiement, tout est impeccable. On aurait besoin de pouvoir personnaliser plein de choses en plus, mais bon, les choses évoluent dans le bon sens, tout va bien. L'interface, ça je pense que c'est un sujet sur lequel on va s'attarder. La qualité du code. Alors là, comme je suis rentré plus profondément dans le code de TakePost, c'est dommage qu'André ne soit pas là, mais j'aurais eu des sujets à aborder avec lui parce qu'il y a des choses qui posent question et j'aimerais qu'éventuellement on puisse balayer tout ça. Mais je sais qu'il y a un gros projet de partie vente en ligne sur Dolibar, donc ce sera peut-être aussi l'occasion de poser tout ça. Et ensuite, ce qui est prod et pré-prod, donc là on rejoint un autre projet dont je parlerai plus tard, je pense. Pour info, donc, ce projet-là est en pré-prod depuis cette semaine, passe en prod normalement la semaine prochaine, et donc va faire tourner la boutique, croisons les doigts pour cet hiver. Ce qui fait que, j'ai fait court et rapide, si vous avez des questions, et surtout, ce que j'aurais voulu, c'est que ça ouvre des interrogations par rapport au cœur de ce qu'on connaît de Dolibar. Comment est-ce que vous auriez ou vous avez déjà géré ce genre de problématique et comment est-ce qu'on peut globalement trouver une solution, sachant que pour ma part, excusez-moi, je termine juste, je ne serais pas du tout opposé à verser dans le cœur de Dolibar tout ce boulot-là. D'accord? Moi, c'est quelque chose. TakePost nous a été donné, j'en suis extrêmement reconnaissant. Ça ne me pose absolument aucun problème pour verser tout ça dans le cœur. Néanmoins, comme il y a un certain nombre de concepts qui sont très sujets à discussion, je préférerais qu'on en discute avant éventuellement de faire peut-être une PR ou je ne sais trop quoi. Voilà, je vous remercie. Je pense que André avait déjà fait une option de variante. Je ne sais pas dans Dolibar,
il me semblait, mais je me trompe peut-être, pas juste dans un module externe, mais où on pouvait créer directement la commande plutôt qu'une facture. C'est un module externe. Et post, c'est une phase. On peut créer soit un devis, soit une commande à partir de l'écran. Ok. Alors, je ne sais pas ce qui est enregistré, ce qui est entendu ou pas. Donc, Laurent et Nico disent qu'il y a déjà un module sur le Dolly Store qui permet de faire le Take Post as Order que j'ignorais. Oui, merci de cette belle présentation. J'ai une petite question. Tu es parti d'un principe que le choix des options n'impactait pas le prix final du produit. Dans un camion pizza, si je veux rajouter des champignons ou du fromage, souvent on va me faire payer. Donc, comment tu adresses ce type de problème? Tu dis que ce serait un autre développement que... Oui, alors les options non payantes. Donc j'ai fait court. Là, j'ai présenté la solution qu'on a implémentée pour les options non payantes. Dans le cas où il y a des options payantes, en fait, la solution qui existe et qui est la plus simple, c'est de rajouter une catégorie options dans laquelle on rajoute les options qu'on veut. Donc, par exemple, eux, ils ont une catégorie complément qui vont être est-ce que tu veux des frites ou des potatoes, est-ce que tu veux des ceci ou des cela. Voilà. En fait, l'idée, c'était de dire je ne m'appuie pas sur les variantes de Dolibar parce qu'elles sont trop complexes pour juste des questions de sauce. Sur des burgers. Par contre, effectivement, si je veux des options, c'est les produits liés. Donc, on va avoir à côté du burger le produit frites, le produit potatoes, le produit. Voilà. Et donc, pour une pizza, ça serait effectivement l'option champignon, l'option je veux trois œufs, etc. Alors, on peut, je ne sais pas le temps. Alors pour la petite info, j'ai décrit toutes les étapes de dev sur le forum d'Olibar. Ça fait partie des choses que j'essaye de pousser un peu depuis quelques temps, c'est d'avoir une sorte d'interaction avec la communauté. Donc vous avez un fil de discussion sur le forum d'Olibar qui démarre tout à fait au début, et j'ai pris l'exemple de Tonio le pizzaiolo dans son camion pizza. Alors j'ignorais, et c'est un gag, mais sur le forum d'Olibar, on a un pizzaiolo qui s'appelle Tonio. Voilà, donc... première réponse à mon fil pizzaiolo Tonio, c'est un Tonio qui dit oui, je fais des pizzas. Bref, en dehors de ça, donc, quand vous êtes sur un ordinateur, c'est très moche, mais comment est-ce qu'on fait? Bon, ici les DevTools. Ils sont où les outils développeurs? Voilà. Donc sur un smartphone, ça se présente comme ça, mais c'est vraiment la carte de TakePos, hein. Vraiment, à l'exception de la partie paiement. Donc sur le TakePos, vous allez avoir en haut, je crois qu'il y a trois boutons. Là, c'est une version un peu plus dépouillée sur les fonctionnalités de TakePos, mais enrichie sur toute la partie paiement. C'est quand tu actives l'option spéciale de TakePos ? Ouais. De voir le menu sur smartphone. Alors, je ne me souviens plus par cœur de l'option, mais il y en a deux en fait. Il y en a une, c'est de pouvoir la carte. Et donc tu as un QR code que tu peux mettre sur la table et donc les clients peuvent flasher et voir la carte de le menu, quoi. Et tu en as une autre que tu peux rajouter en plus, que les clients peuvent depuis ils s'assoient et ils commandent là avec leur smartphone. Et donc toi sur ton TakePos, ça remonte la table 14 à commander ceci, cela. Voilà, donc ça se présente comme ça. Tous nos produits, en fait, premier niveau, ce sont les catégories. Première question, je voudrais que mes catégories soient triées, ce qu'on n'a pas de base dans Dolibar. Donc on a utilisé une astuce qui était bien connue à l'époque de Spip, ouais, je suis un vieux développeur, qui était de préfixer plein de choses par 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à l'affichage, on dégomme le préfixe, tout bêtement.
Donc si vous voulez que les assiettes soient avant les burgers, il suffit de changer le préfixe, il ne sera pas visible par contre par vos clients, tout bêtement. Ça a du bon d'être un vieux développeur, des fois on réutilise des vieilles astuces spontanément, ça évite de perdre du temps. Donc je vais dans ma catégorie burger, j'ai la liste de ce qu'il y a dans leur Dolibar de produits qui sont dans la catégorie vente à distance burger. Tout bêtement, leur souhait c'était d'avoir le titre du produit, le prix, rien de plus, en premier niveau, donc j'ai un classique. Cette fois-ci, je veux le descriptif. Descriptif court, et là, par exemple, quand on est passé sur le test avec WordPress, ce descriptif si court sur WordPress, ça faisait une page vide. Il fallait meubler, il fallait mettre des trucs. Et c'est là qu'ils m'ont dit, mais non, mais on n'a pas le temps de faire ça à nous ce qu'on veut, c'est le minimum, quoi, vraiment le strict minimum. Donc voilà, j'ai mon classique, qu'est-ce que je veux comme type de cuisson? Donc ça, c'est première option. Deuxième option, qu'est-ce que je veux comme sauce? Et ajouter. Tout bêtement. Rien de plus. On reste vraiment sur du super, super basique. Éventuellement, je vais en ajouter un deuxième. Je vais cliquer sur le bouton plus, ça m'amène un deuxième. Ça me donne le prix total à la volée. Et ensuite, donc je vous la fais courte, hein. On peut aller chercher les options, les glaces, les desserts, tout ça, mais là, j'ai plus très faim. Il fallait faire ça avant le repas. Commander, donc votre nom. Une adresse mail. Ce serait mieux si je ne fais pas de faute. Un numéro de téléphone. Et à quelle heure vous voulez récupérer votre panier. Donc là, vous êtes 19h15, 19h30, 19h45. Le séquençage des 15 minutes, c'est du paramétrage dans l'interface d'admin. On dit, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir séquencer par 15 minutes. Si vous voulez séquencer par 2, par 5 ou par 20 minutes, c'est tout à fait possible, c'est juste de la conf. Donc vous choisissez l'heure à laquelle vous venez récupérer votre panier. Payer. Alors vous savez, je développe la passerelle de paiement vers Stancer, donc forcément là c'est Stancer qui est directement connecté. Mais comme on s'appuie sur les outils d'Olibar, ça pourrait partir vers le système de paiement que vous voulez, hein, puisque là on rattrape le fonctionnement d'Olibar. Un numéro de carte bancaire, comme on est en version test. On a une IS card. Hop, c'est une Visa payée. Stancer nous fait une pseudo-vérification 3DS parce qu'on est sur leur bac à sable. Et vous revenez sur votre Dolibar. C'est la page de retour du payment back. Et là, pour le coup, on aimerait la personnaliser. Donc ça fait partie des choses qu'un Dolibar natif d'aujourd'hui ne permet pas. Mais là, nous, on voudrait que dans le contexte de la vente en ligne de ce type de produit, le retour soit pas celui-ci. Celui-là, il est fonctionnel, mais pas suffisant, quoi. Voilà. Et donc là, je viens de commander mon burger pour 19h30. Côté Dolibar, à quoi ça ressemble? Alors, qu'est-ce que vous voulez voir côté Dolibar? La commande que je viens de passer. Ce qui a ça d'intéressant, c'est que sur les commandes, vous pouvez afficher les heures prévues de livraison. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est que vraiment, je me suis le plus possible rapproché des outils natifs et de la manière native de Dolibar de gérer. Et dans Dolibar natif, les commandes, vous pouvez leur donner une date de livraison. Et la date de livraison, il y a même une heure. Merveilleux! Donc il suffit que la commande que votre client passe, au moment où il choisit 19h30, bim, ou 19h45, pardon, je me souviens plus, on avait choisi 19h45, vous le mettez sur l'objet commande de Dolibar. Donc on a nativement dans Dolibar la liste des commandes, la date, l'heure de livraison, le tiers, qu'on a créé automatiquement à la volée. Et en fait, on se retrouve là à faire de la gestion normale, ou si vous prenez le détail de votre commande, vous savez qu'il a pris un burger à point sauce américaine, enfin deux même, pardon, il n'en a pas pris qu'un. Vous avez la facture liée, et on se retrouve vraiment sur du fonctionnement d'Olibar normal. Ce qu'on pourrait trouver d'intéressant, c'est ce qui est sorti en ticket en cuisine. Le truc, c'est que je n'ai pas d'imprimante à ticket là sous la main, mais vous avez vu tout à l'heure la photo, c'est vraiment le ticket TechPost
enrichi, puisque sur le ticket tech post, je me suis amusé à rajouter le QR code qui permet de télécharger la facturette. Mais en fait, c'est celui-ci, là. Voilà. Donc ça vient de sortir, ce ticket-là. Et si jamais vous voulez flasher le QR code, je ne suis pas sûr que ça pointe vers un document téléchargeable, puisque ça part sur un serveur relais et au bout de 24 heures, c'est sucré. Mais bon, en tout cas, le client, lui, il a le ticket, il flash le QR code, il a sa facture, tout va bien. Quoi. Si vous voulez lui rééditer, vous l'avez dans Droidbar, lui envoyer par mail, vous faire ce que vous voulez avec. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous intéresserait de voir ce que ça donne dans Droidbar côté back. Il faut savoir qu'il y a un tiers qui est créé à chaque commande. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de commandes qu'il a passées, tout son historique? C'est du Droidbar natif. Alors, sur ce sujet-là, c'est encore grosse discussion. Mon approche, ça serait de dire, je crée un tiers, le temps de la commande, dès qu'il vient réceptionner, je le dégage. RGPD, ouais. Et tout ce qui va avec. Une case accrochée, en fait. Mais voilà, en fait, il faut absolument rajouter une case, enfin, il faut rajouter deux choses. Il faut rajouter une information sur le formulaire de saisie des infos, disant au client dans quel cadre est-ce que vous collectez les données et à quoi elles vont être utilisées, et lui rajouter une case en disant je suis un client habituel, je souhaite que mon compte reste pour pouvoir télécharger ultérieurement mes factures, mon historique d'achat, mon ce mois-là, et éventuellement avoir des réductions, puisque c'est comme ça que ça va se passer. Ça, c'est pas encore fait, mais voilà, c'est dans le tunnel, c'est pas très compliqué à faire. Néanmoins, comme on s'appuie vraiment sur la partie tiers de Droidbar, vous avez le tiers, le client, l'historique de ses commandes, j'en ai qu'une. Mais par contre, vous avez peut-être vu tout à l'heure, quand dans la liste de mes commandes, il y avait un autre Eric. Pardon. Là, on a d'autres Eric. C'est qu'en fait, on match sur le nom, le téléphone et le mail. Vous pouvez avoir des homonymes. Donc là, si je prends ce Eric-là, qui a priori plutôt un profil de test intéressant, ben non, il a fait aussi qu'une seule commande. J'en prends un autre. Alors, on peut peut-être passer par les tiers, vu du coup. On va avoir des Eric, il y en a un paquet. Bon, et celui-ci, une seule commande aussi, mais j'ai repris même n'importe quoi. Enfin voilà, vous avez le mode de fonctionnement d'un Droidbar standard. Par rapport à ça, ce serait pas plus simple de prendre seulement l'email, qui est unique celui-là? Oui, alors, on a plein de problèmes sur les emails de l'utilisateur qui les saisit. Hein. Le nombre de gars qui tapent des gmail.com, machin, des wanadoo, je sais plus quoi, qui n'existent pas, tartine. Bref, donc mail et téléphone, ça permet au moins, et puis si jamais ils en mettent qu'un des deux, de dire j'accepte d'en prendre qu'un des deux, etc. Voilà. L'autre idée, c'était de pouvoir envoyer un SMS automatiquement quand la commande est prête, qui est plus dynamique que le mail. Donc ça se discute. Alors là, par exemple, on pourrait se rattacher sur le paramétrage de Droidbar, de dire quand on crée un tiers, sur quel champ est-ce qu'on vérifie l'unicité. Alors de mémoire, je ne suis pas sûr que mail soit dans la liste des champs qui permettent de définir l'unicité d'un tiers. C'est là, du coup, ça vérifier. Alors si jamais tu reviens et que tu remets le même numéro de téléphone, le même mail, ça se rattache sur le même compte client qui existe déjà. Par contre, s'il y a une modif des deux, effectivement, ça recrée un compte. Quitte après éventuellement à fusionner les tiers, ce que Droidbar fait très bien. Et en ce cas, ça va regrouper les commandes, etc. L'idée, c'est comme on est vraiment sur du commerce de proximité, on connaît nos clients. Ils viennent régulièrement, ce sont des habitués. Donc on n'est pas du tout dans de la vente en ligne classique, telle que celle qu'on connaît du site de vente qui envoie à l'autre bout du monde des produits ou n'importe où sur le territoire. Là, c'est vraiment du local, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Eric, tu l'as peut-être indiqué sur le forum, mais entre le démarrage, la réflexion, les tests, combien de temps tu as mis là-dessus? Alors, je compte pas en heures. Alors, l'expression détaillée du besoin remonte au 10 octobre. Le 10 octobre, j'étais physiquement chez eux. 23. J'étais physiquement chez eux à regarder comment ça fonctionne, etc. Pour voir, mais voilà,
comment vous fonctionnez, comment sont vos clients, qu'est-ce que vous avez comme matériel à disposition et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Après, je ne te cache pas que c'est quand même des trucs qui remontent à loin parce que c'est des outils qu'on manipule et qu'on maîtrise depuis longtemps. TakePos, j'ai dû lui tordre le cou plusieurs fois pour eux ou à cause d'eux. Donc c'est une base que je maîtrise relativement bien. Toute la partie paiement, etc., c'est pareil, c'est du connu. Toute la partie gestion de stock, etc., avec Smart Livraison et compagnie, j'ai mis les pieds dedans. Et donc, finalement, tu te rends compte qu'il y a, comme beaucoup de cas, il y a presque 80% du boulot qui est déjà fait. Il faut regrouper tout, donner un peu de sens, trouver 2-3 idées, 2-3 astuces, et puis c'est parti. Dans les vraies choses que je n'ai pas trouvées dans Dolibar, il y a ça. Cette partie, pouvoir définir un agenda où je déplace, je clique, je dépose, etc. J'ai pas trouvé dans la boîte à outils réutilisable quelque chose qui me permettrait de le faire vite fait. Donc, j'ai dû rajouter un truc. Dans la partie gestion de stock par catégorie avec répercussions sur les produits, etc., je m'en suis sorti grâce au trigger. Enfin, le moteur de Dolibar est extraordinaire. On peut lui faire faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc le client met une crêpe dans son panier, le trigger est déclenché. Grâce au trigger, je peux reparcourir la liste de tous les autres produits dans la même catégorie pour décrémenter leur stock. C'est monstrueux d'un point de vue optimisation énergétique. Hein, vraiment, là, on fait des boucles dans des boucles. Et, hein, mais au final, ça marche et c'est ce dont ils ont besoin. La priorité, c'est qu'ils arrivent à vendre. Après, on optimisera, on fera mieux, etc. Bon. Donc là, sinon, vous aviez l'interface d'admin. Ça peut faire un peu peur, mais c'est parce que, quelque part, il y a beaucoup d'options à paramétrer, beaucoup de choses à demander. Il ne faut pas tomber dans l'usine à gaz, mais il faut quand même proposer un certain nombre de paramètres. La partie impression sur imprimante de tickets, finalement, il n'y a rien inventé. C'est tout ce qu'il y a dans Dolibar natif. Et juste le fait de pouvoir choisir le modèle qui va bien, je trouve de plus en plus sympa le fait de pouvoir, dans un module que je développe, rajouter des liens vers du paramétrage, soit d'autres modules, soit du cœur. Donc vous voulez paramétrer, hop, et ça vous envoie sur le paramétrage natif de Dolibar les imprimantes tickets. Donc voilà, je trouve que la modularité de Dolibar là-dessus, c'est merveilleux. Quoi. Oui. Au sujet du calendrier des commandes. Si par exemple, imaginons qu'on ait un four à pizza qui est capable d'accueillir simultanément deux pizzas qui prennent chacune 3 minutes et que j'ai 50 pizzas en commande, est-ce que tu gères l'horaire à partir duquel une prochaine pizza peut être mise à disposition? C'est exactement le fond du problème. Alors, je le gère à moitié. C'est-à-dire que par exemple, si tu commandes 10 pizzas et que ton cadencement fait que tu ne peux les produire que deux par deux, je ne vais pas remplir les cases jusqu'à avoir 10. Derrière, il y a de l'algo à travailler. Quoi. Par contre, dans ce genre de cas de figure, on s'en sort par deux aspects. Un aspect qui est de dire quelle est la quantité maximum de pizza que tu autorises dans le panier d'un client. Il faut qu'elle soit inférieure à ton maximum de production à l'unité. Donc si tu peux produire que deux pizzas par laps de temps que tu définis comme maximum de pizzas achetables par un client, deux. C'est tout. Comme ça, il va remplir une case et c'est plié. Si un client prend une pizza, il remplit à moitié une case, mais ça sera la case d'après qui sera utilisée pour une seule commande ou deux. C'est pas terrible, mais ça permet au moins d'avancer. Et l'idée, c'est de confronter la réalité, de voir est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que à l'emporte-pièce, ça va. En fait, c'est les deux aspects que tu as là, sur gestion du pseudo-stock et gestion de capacité de production. Où tu définis par catégorie ta capacité de production et tu définis quelles sont dans la configuration générale, tes créneaux, enfin tes laps de temps, proposés de récupérer la commande, ton cadencement en fait. Donc si tu cadences toutes les 20 minutes, tu sais qu'en 20 minutes tu peux faire 10 pizzas, et donc tu dis je refuse de vendre plus de 10 pizzas d'un coup. Comme ça, hop, c'est taqué. Et en plus ça correspond à une réalité cohérente. C'est-à-dire que le gars, il n'aime pas avoir des pizzas qui s'entassent au-dessus du four, qui sont cuites et qui sont en train de refroidir doucement, mais ça lui prend de la place, tout ça. Donc, Je crois que oui. J'ai une question concernant l'impression en fait, des étiquettes. Est-ce que vous lancez une impression directement connectée avec l'imprimante
si vous avez réussi à connecter le driver avec, ou bien vous ouvrez automatiquement le pop-up normal. Peut-être pour la caméra, je répète la question, c'était est-ce que on utilise l'imprimante connectée avec tout le paramétrage qui est compliqué, ou est-ce qu'on s'appuie sur le pop-up du navigateur pour envoyer sur ce qu'on veut? Alors ma réponse est que quelque part c'est pas mon problème. Bon, je botte en touche hein, gentiment, parce qu'en fait imprimer c'est en dehors de ce périmètre. C'est un problème qui va se poser pour tout le reste de Dolibar. Donc quelque part c'est pas à moi spécifiquement d'apporter une réponse là-dessus. Moi je m'appuie sur le système d'impression de tickets de Dolibar. S'il fonctionne, il fonctionne. S'il fonctionne pas, il fonctionne pas. Bon, c'est un peu un gros raccourci. Grâce à à ce projet, j'ai découvert, je ne connaissais pas cet univers, mais j'ai découvert que les imprimantes à tickets thermiques, notamment les Epson, il y a une série qui existe avec une prise réseau derrière, RJ45. Elles sont totalement autonomes, vous leur donnez une adresse IP, vous le posez dans un coin, juste une prise électrique, un câble RJ, et le machin, il tourne tout seul. Donc, ce que j'avais dans le resto, qui était l'imprimante à ticket branchée en USB sur l'ordinateur, avec toutes les difficultés de connexion, sauf que comme ils sont 100% Linux, les difficultés, je ne les connais pas parce que je les maîtrise, la question ne se posait pas spécifiquement pour eux. Pour mon pizzaiolo, la réponse que je lui ai apportée, c'est « Trouve-toi sur le bon coin une imprimante à 40€ avec prise RJ45, et on met un petit routeur Wi-Fi avec une prise qui va bien, et le problème est résolu. » C'est mon approche très pragmatique. Après, effectivement, la problématique d'imprimer, elle est escalée. Mais ton serveur Dolibar, il est sur LAN. Alors, pas forcément, puisque dans le paramétrage des imprimantes, je ne sais pas si on a la connexion assez rapide, mais dans le paramétrage des imprimantes, tu configures l'adresse. Donc, tu peux tout à fait mettre un DIN DNS vers un port spécial qui est routé sur ton routeur. Et tu imprimes direct dessus. C'est pas extraordinaire, tu mets plusieurs ports et tu le configures dans le paramétrage. Ça patine. Oui, les imprimantes à tickets, c'est super bête. Hein. Tu fais un tel net dessus sur le port qui va bien et ça imprime ce qui arrive. Donc, le fait de faire un routage sur le port, c'est pas terrible parce que si quelqu'un connaît le port qui est routé, etc., pourrait imprimer des faux tickets et venir récupérer des burgers gratos. Mais, bon. C'est toujours pareil, hein, c'est où est-ce qu'on place l'acceptable. La connexion voudra bien. Bon, encore tu as pensé le système avec les contraintes de la restauration. Forcément, j'imagine que tu as peut-être pensé à d'autres usages. Si on prend, n'est-ce pas, un vendeur de chaussures, est-ce que le cadencement, j'avoue, j'ai pas trop écouté tout à l'heure quand tu parlais de ces parties-là, mais est-ce que ça serait envisageable? Alors, c'est un peu l'idée de dire qu'est-ce qui se passe si je souhaite verser ça dans le cœur de Dolibar. C'est-à-dire, là, je peux faire entre guillemets un cadeau, mais quelque part, il n'est pas adapté à peut-être, il n'est peut-être adapté qu'à 1 pour 1000 des utilisateurs de Dolibar, ou 1%, j'en sais, fiche-toi rien, quoi. Donc, les autres métiers où ça marche direct, le maraîcher, le vendeur de fruits et légumes, la halle bio du coin de la rue, ça c'est sûr. L'épicerie, je ne suis pas certain, ça serait à creuser. Voilà. Et après, je ne connais pas tous les métiers. Et c'est là que c'est intéressant d'être nombreux, c'est que, est-ce que vous, dans vos contacts, vos clients, votre quotidien, vous avez des gens pour qui ça match à 100%, ça me surprendrait, mais pourquoi pas. Ça qui match à 90%, ben super, est-ce que vous êtes prêt à développer les 10% restants et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit générique ou pour généraliser ce que j'ai fait de telle sorte que ça soit après utilisable par plus que 90% des personnes et ainsi de suite. Un peu comme quand TechPost a versé TechPost dans Dolibar, qu'est-ce que ça a donné les premières réutilisations de TechPost en dehors de l'auteur initial de TechPost, en fait, c'est ça. Du coup, c'était par rapport à l'impression des tickets. J'ai vu dans le module Click and Collect que tu avais un gros bouton imprimer les tickets en attente. Qu'est-ce qui se passe justement? Je me demande comment tu gères la file d'attente. Si brusquement l'imprimante arrête de fonctionner, manque de papier ou je sais pas quoi, est-ce que dès qu'il y a de nouveau du papier, ça relargue les tickets en attente? Est-ce qu'il y a
quand ça s'arrête, tu stops, tu stockes tout, et il faut que faut appuyer sur le bouton pour... comment tu gères ça? Alors, un, je vous ai dit, je suis un vieux développeur, donc j'ai des astuces qui datent d'il y a longtemps. Et deux, j'ai un background assez important sur d'autres frameworks de développement. Et donc, ce que j'ai implémenté en tant que fil d'attente d'impression, c'est super basique, c'est juste une table base de données avec un champ état imprimé ou pas imprimé. Donc tant que j'ai pas un retour de l'imprimante comme quoi le document est imprimé, la ligne sur la table n'a pas le statut imprimé, et bien donc au prochain coup de tour de la tâche planifiée, ça imprimera ce document-là. D'accord. C'est la tâche planifiée qui voilà. Sachant que j'ai aussi rajouté le fait que quand on est sur la liste des commandes, ça va de nouveau vite, c'est chouette. Enfin, je vais peut-être parler trop vite, justement. Quand je suis dans ma liste de commandes, si jamais je veux réimprimer quelques tickets, je les rajoute dans la liste des commandes possibles. Et donc là, si jamais, pour une raison ou une autre, le ticket a cramé, ou en cuisine il est tombé dans je sais pas quoi, ou il y a eu un coup de vent, enfin, je ne sais pas, je veux reprendre toutes les commandes du jour, je leur ai fait un lien direct sur le tableau qui pour l'instant est très basique mais qui sera avec des gros boutons parce que c'est sur affiché sur l'ordi tactile. Hein. Donc je veux la liste des commandes à livrer aujourd'hui. En fait, ça ne fait guère que ce qu'on avait tout à l'heure. La liste des commandes filtrée par automatiquement la date qui va bien. C'est stressant ce truc qui a une vitesse variable. Et donc en fait, je vais retrouver ma liste de commandes, je coche toutes les cases, imprimer le ticket. Ça sort tous les tickets, ça les coupe à chaque truc. Ouais. Ok. Allez, c'est fini. Merci.